Aujourd'hui dans Consomag, que faire en cas de refus d'assurance automobile ? À la suite de plusieurs accidents de la route, Lucie a vu son contrat d'assurance résilié. J'ai eu des problèmes avec mon ancienne assurance. Aujourd'hui, je ne suis plus assurée et j'ai beau envoyer des dossiers à d'autres sociétés, personne n'accepte de m'assurer. La loi impose à tout conducteur de s'assurer pour les dommages qu'il pourrait causer à une autre personne, mais une compagnie d'assurance peut toujours refuser d'assurer quelqu'un. C'est pourquoi un organisme a été créé, le Bureau central de tarification, pour imposer à un assureur de garantir ce risque. Comment ça marche ? La première chose à faire est une demande de devis par lettre recommandée avec accusé de réception. Dès que vous avez connaissance du refus de l'assureur, vous avez un délai de 15 jours pour saisir le Bureau central de tarification. Sachez que si une société d'assurance ne vous a pas répondu dans les 15 jours qui suivent votre demande, celle-ci est considérée comme refusée. De même, si l'assureur accepte de vous assurer à la condition que vous souscriviez à d'autres garanties que celles de la responsabilité civile obligatoire, cela équivaut à un refus et vous pouvez saisir à ce moment-là également le Bureau central de tarification. C'est bien au conducteur de choisir une société d'assurance, car c'est lui qui indiquera au Bureau central de tarification celle auprès de laquelle il souhaite être assuré. Le Bureau central de tarification a une unique mission qui est de fixer la prime, moyennant laquelle l'assureur sera obligé de garantir ce conducteur. Une fois que le Bureau central de tarification a pris une décision, elle s'impose impérativement à la société d'assurance, qui serait durement sanctionnée si elle ne la respectait pas. Elle doit assurer le conducteur. Elle ne l'assure évidemment que pour les dommages qu'il pourrait causer à un tiers, ni en bris de glace, ni en dommages au véhicule. N'oubliez pas, si on refuse de vous assurer, le Bureau central de tarification impose à un assureur de vous garantir. C'est à vous de choisir la compagnie d'assurance auprès de laquelle vous souhaitez être assuré. Pour revoir l'émission préparée avec l'Association Famille de France, rendez-vous sur conso.net.